Et Amoté au centre, préfère mettre le puck de l'autre côté. Récupération Kontz. Kontz dans la zone, il va frapper. Goal! Ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club. Un tir extrêmement précis et croisé de la part de Florian Kontz. Et qui marque au passage son deuxième but de la saison. Dans la zone offensive, mais c'est Dubé qui va finalement récupérer le puck. Et Dubé va même le conserver un petit moment. Quelques secondes en tout cas avant de pousser le puck en zone offensive et de gagner du temps. L'erreur du Hegel ! Hegel de la part de Fribourg-Gottero ! Égalisation de la part de Moldine ! Et grossière erreur de la part de Christophe Alluet qui a voulu dégager contre la bande. Ah bah ça arrive même au meilleur. Et encore une fois, c'est le filet extérieur qui a tremblé. Il y a un homme qui s'est sacrifié, c'est Ambellini. Et Kontz qui fait deux arrêts, miracle! Ah, l'arbitre qui annule, l'arbitre qui annule tout de suite le but. Et ils sont allés regarder la vidéo. Les arbitres donc qui sont en train de regarder la vidéo. Alors le tir de Miéville. Et il donne le but. Et donc on est d'accord. Et finalement Lausanne peut repartir avec Louis Vara, Pessonen. Le centre de Pessonen, c'était pour Louis Vara, mais directement sur le patin de son compatriote. C'est bien fait de la part de Louis Vara. Goal! Mais quelle erreur défensive de la part de Fribourg-Gottero! Les joueurs se sont écartés pour laisser la place à Louis Vara et qui, après d'un tir du poignet très précis, c'est vrai, a trouvé la lucarne droite. 3-1 donc pour Lausanne. Et bien sûr, c'est en amont le problème pour Fribourg-Gottero sur ce but. Gobi, le tir sur réception, il est violent. Ça passe à côté, deuxième poteau. Et goal! Goal de Itonen. Encore une fois, complètement seul au deuxième poteau. Et c'est 4-1 maintenant pour Lausanne. Et but du top scorer, Juha-Pekka Itonen. Huitième réussite de la saison quand même pour lui. Léger. Dubé, le centre pour Tambellini et goal! Oh, magnifique, magnifique la réussite de Tambellini. Superbe, superbe ce tir en pleine lucarne de la part de Jeff Tambellini pour son deuxième but de la saison. Et Fribourg qui revient à 4-2 dans cette troisième période. Oui, Sprunger. Sprunger à l'énergie, lui il peut aller chercher encore un but. Il a démontré face à Ambri Piotta le tir. Et but! But de Louis Vara qui réalise le doublé donc ce soir. 4. Ness pour Azani. Azani face à Uel, tir du poignet, goal! Goal d'Azani, magnifique là aussi. La réussite d'Adam Azani, tire extrêmement précis de la part d'Adam Azani, tir croisé. Sur les 7 derniers matchs, Lausanne n'a encaissé qu'une seule fois plus de 3 buts. C'était à Davos dans la défaite 5-3.